Je m'occuperai tout seul de l'ambassadeur. Va, donne le signal. Thank you.
si quelqu'un nous découvrait. Tu sais bien quel risque je prends en venant chez toi. Oui. De ne pas épouser Sar, ton bien-aimé seigneur et maître. L'homme qui tient Sparte dans sa main. Tu ne l'aimes pas, Aspasie. Tu devrais renoncer à cette union. N'oublie pas que le peuple te haïra comme il le hait si tu l'épouses. Par ailleurs, tu as tous les biens de ce monde. Tu es belle, Aspasie. Et tu es riche. Et la puissance, c'est beaucoup plus que la richesse. Et il y a si longtemps que j'ai envie de l'avoir. Et tu viendras demain, mon banquier, Aspasie. Non, je te le rendrai demain soir au banquier. Inutile d'insister, Kéros. Il faut venir, sinon Sar aura des soupçons. Vois-tu, ce banquier est donné en son honneur. Je ne le provoquerai pas, tu sais. Sar n'admet jamais la moindre opposition. Criton, qu'y a-t-il ? Pardonne-moi, Kéros. Viens. Je n'avais pas d'autre asile. Mais oui, tu as bien fait de venir ici. Allonge-toi. Tu sais bien que chez moi, tu es chez toi, Criton. Qui t'a blessé ? Écoute, Kéros, ils sont à ma poursuite. Les hommes de Sar, tu es mon dernier espoir, Kéros. Nos opinions diffèrent, mais il faut que tu m'aides à... Reste tranquille, tais-toi. Non, écoute. Sar s'apprête à nous trahir. Rentrez ici, il y a des traces de sang. Fouillez la maison. Va-t'en. Je t'en supplie en souvenir de notre père. Sauve Sparte de cette affreuse trahison, Kéros. N'oublie pas, le temple d'Athéna. Bien lui. Fouillez toute la maison. Non, ne le touche pas. Pourquoi est-il ici, Kéros? Je ne t'apprendrai pas qu'il est illégal d'héberger un rebelle chez toi. Je n'héberge ni ne cache personne. L'homme qui est là est mon frère. Une excellente raison pour te soupçonner de complicité. Fouillez-le. Viens, par ici. Trop long, mec. La chance s'appelle Kéros. Oh, on peut appeler-la comme tu veux. Si Kéros veut divertir ses hôtes par nos farces à ce noble banquier, je le connais bien, sa générosité va égaler mon génie. Jagour, l'heure est enfin venue de mettre un terme à ta bienheureuse indolence. Je te confie ma fille. Kéros, qu'est-il ? Je crains que nous soyons obligés de remettre la fête. C'est fâcheux, mais un événement inattendu est survenu. Avance ! Tu l'as appelé Kéros ? C'est ainsi qu'il s'appelle. Mais par Zeus, je souhaiterais que ce ne soit pas lui. Ne nous avais-tu pas dit que Sar était son ami et qu'il jouissait d'une entière liberté ? C'est exactement ce que j'ai dit. Mais voilà un fâcheux présage qui plane sur nos têtes.
et devrait nous faire avaler nos paroles. Oh, c'est assez pour aujourd'hui. C'est une réplique d'Electre. Hein? En tout cas, ton grand ami Kéros, quel beau garçon. Mmh. Ah oui, alors. Mmh. Oui, je peux passer pour coupable si tu y tiens. Mais je ne l'ai été qu'envers mon frère. Mon seul tort est de m'être prosterné devant ton ignoble tyrannie. Tes nouvelles convictions, mon cher Kéros, sont des plus surprenantes. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que ton frère a pu te dire. Mon frère me méprisait. Parce qu'à ses yeux, je passais pour ton ami. Il ne se confiait pas à moi. Alors pourquoi s'est-il réfugié chez toi? Je n'en sais rien. Peut-être parce qu'il ne savait pas où mourir. Je te rendrai la liberté. Parle et tu continueras à mener une existence agréable et sans souci, je t'en donne ma parole. Tu as peur. Tu as peur de mon frère. Sar, tu as peur d'un mort. Ton frère Criton transportait un objet que je veux. Où est-il? Tout a été fouillé par tes soldats. Ils n'ont rien trouvé. Bon, alors, que t'a-t-il dit? Prends garde à toi, Kéros. Tue-moi. Ainsi tu pourrais être sûr que je ne dirai rien. Parleras, même si je dois te faire subir les pires supplices. Penses-tu que cela change quelque chose? Je ne pense pas, j'agis. C'est pourquoi je suis soldat. Kéros n'est pas un traître. Peut-être. C'est certainement un bijou précieux. Tu ne devrais pas le laisser traîner. Pourquoi ne l'as-tu pas donné à Sar? J'ai supposé que tu apprécierais ma discrétion. Ouais. Je l'aurais fait tuer. S'il n'avait pas été le dernier qui ait vu son frère Criton vivant. Les rebelles feront certainement l'impossible pour entrer en contact avec lui s'il sait quelque chose. Enferme-le avec les gladiateurs. C'est un excellent entraînement pour délier les langues. S'il s'agit de délier les langues, j'ai pour cela un certain talent. Hmm. Jusqu'à présent, les rebelles ne t'inquiétaient pas beaucoup. Oui, mais aujourd'hui, les choses ont changé. Après tout ce qui vient de se passer, ils me menacent sérieusement. Et tout cela à cause d'une petite statuette qui contient le traité que je viens de conclure avec le roi de Lydie. Hier, ça signifiait ma domination sur toute la Grèce. Aujourd'hui, on pourrait m'accuser de forfaiture envers la Ligue Achéenne. Jouissons pas des mêmes agréments que chez toi. Mais on fera l'impossible pour te distraire. Qu'en dis-tu? J'ai l'impression qu'il sait se battre.
Ça va comme ça. Vous voyez bien qu'il a déjà été fouetté. Ce n'est qu'un début. On t'obligera à dire ce que tu sais. Vous autres, reprenez l'entraînement. Allez, en garde. T'aider, mon aimé. Laisse-moi te secourir, je te ferai échapper de cette prison. Je t'aime, Kéros. Où est la statuette, dis-moi. Si tu me le dis, je te ferai évader. Nous partirons ensemble. La statuette? Quelle statuette? Je ne sais rien. Je ne sais rien. Gaëtan n'a rien dit. Je ne sais rien. Rien du tout. Kéros. Kéros. À Kéros uniquement. Il faut se méfier de cette femme. Sibone, c'est une raison de plus pour nous dépêcher. Alors? Rien. Il ne veut rien dire. Il assure qu'il ne sait rien. Mais si jamais il sait quelque chose, je te prie de croire. Nous le lui ferons payer très cher. Thank you.
enlève cette misérable bête de mon chemin ou je la bats. Qu'as-tu l'intention de faire? Je te conseille de t'excuser. Elle est susceptible. T'avoir averti, Mardoc. Je pensais que l'exercice leur ferait pas de mal. Ils me paraissaient à court d'entraînement, ces gladiateurs. Tiens, je t'ai apporté du lait. Bois. C'est la seule chose buvable ici. Tu l'entends? Elle est gentille. Hein? Dis-moi un peu, cette vache couche ici également? Non, seulement elle me suit partout. Est-ce que ça te dérange? Non, non, c'est une question d'odeur. Ça empeste ici. C'est lui qui pue comme ça, c'est pourquoi il attire les vaches. Oh, il est si délicat que ça. Trouves-tu que je sente aussi mauvais? Non, si le vent soufflait dans l'autre sens. Enfin, elle peut aller et venir à son gré. Hein. Quelquefois, pendant la journée, elle disparaît. Mais quand le soleil descend, elle revient vers moi. Dis-moi, pourquoi es-tu prisonnier? Tu n'es pas seul à ne pas t'entendre avec Sarah. Comptes-tu pourrir ici jusqu'à la fin de tes jours? Je sais ce que t'as dans la tête, mais renonce à cette idée. Avec tous les gardes qui sont en faction partout, il n'y a aucune chance. Tous les deux, je crois qu'on réussirait à s'évader. J'ai une idée. Demain matin, à l'heure où les gardes viennent nous chercher, nous les attaquerons. Nous revêtirons ensuite leur uniforme et nous donnerons l'alarme en disant que les gladiateurs se sont échappés. Nous tirerons avantage de l'effet de surprise et nous parviendrons à sortir. Tiens, regarde, j'ai un poignard. Ça pourrait être utile. Tu es d'accord? Oui, si tu es décidé. Bon. Alors, dormons un peu. Nous aurons besoin de toutes nos forces. Allez, 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 allez
Les deux qui étaient avec lui se sont sauvés. Dépêchez-vous, ils ne peuvent pas être loin. Ils sont passés par-dessus la palissade en profitant de la confusion. Allez, poursuivez les recherches. Oh, hélas! Je t'implore encore, accorde-moi de connaître où se cache le soleil qui t'a créé. Où se cache-t-il? Oh, par le dieu de la jeunesse, j'affronterai la vérité. Oh, mon fils, ce que tu ignores, c'est qu'il a fui cette terre en me laissant une prophétie. Quelle prophétie, ma mère? Je ne sais rien. Dis donc, elle est rudement belle, sa mère. J'en dirais pas autant de son fils. Épargne ma tête, ô ma mère, et revais-moi de tunique noire. Mais par-dessus tout, demande au dieu des éclaircissements. Mais, comme toi, il apporte sûrement de bons présages. Je t'en prie alors, dis-moi, quelle est la volonté de Zeus? Que tu aides l'ami des bons jours dans les heures de danger, telle est sa volonté. Les soldats me cherchent, fais donc comme si je jouais un rôle en chaîne. Tu es venu pour confirmer la volonté de Zeus. Je te remercie. Merci, mais confirme-la. Par tous les dieux. Ah oui, oui, c'est ça, comme je le disais, confirme-la. Oh, par Zeus. C'est par la volonté de Zeus que je me marie avec cette jolie Spartiate. Non, c'est ma mère. Quoi? Tu oserais contredire la volonté de Zeus? Ah non! Si c'est la volonté de Zeus, je vais demander à son père s'il donne la permission. Qui peut mettre en doute les subtils desseins des dieux? Mon enfant,
puisses-tu vivre à jamais heureuse. Tu mens. Cette mascarade ne peut nous révéler les desseins de Zeus. Renonce à tes mensonges, ô imposteur. Voilà la volonté de Zeus. Que nous désirons tous deux est trop souvent en contradiction avec la volonté de Zeus. Que la volonté de Zeus soit faite. Viva! Ne crains rien, tu es chez des amis. Entre, nous sommes entourés de soldats. Seigneurs, la pièce est terminée. Et demain, nous vous déclamerons les derniers poèmes de nos illustres écrivains. Les soldats courent après les deux autres. Quels autres? Qui est-ce? Je n'en sais rien, mais rends-en grâce à ton heureuse étoile, ils se sont montrés à temps. Eh bien, toi aussi, tu m'as aidé, sauf que tu m'as presque cassé le pied. Ça t'apprendra peut-être à ne plus déranger le spectacle. Tu as transformé ma tragédie en farce. Mais je me réjouis de t'avoir sauvé la vie. Méfie-toi, les soldats vont revenir, tu ferais mieux de partir tout de suite. Où cela? Encore un autre? C'est un de mes amis. On va être obligé de rester un certain temps. Votre chariot est le seul endroit possible pour se cacher actuellement. Mais je suis déjà assez embarrassé de lui. Oui, Sarre aimerait me voir mort, moi aussi, mais grâce à Nemeth et à ses casques, j'ai des chances de mourir centenaire. Meurs centenaire si cela te chante, mais ne me demande pas de te garder sous mon toit. Et bien pas à cause de moi, bien sûr, mais à cause de ma fille. Oh, je t'en prie, père, je n'ai aucun besoin de protection. Je me défends tout seul. Ça, c'est certain. Je puis en témoigner. On les garde. Ils peuvent rester. Oh, quelle autre incuidance! Est-ce moi qui dois accepter la parole d'un esclave? Moi, votre seigneur et maître? Donne-moi un peu. Si tu es le maître, procure-nous de quoi manger. Je devrais te faire tuer. Tu es capable de me dire que tu n'avais pas assez de garde. Nous pourrons peut-être tirer parti de l'évasion de Kéros. Si nous découvrons où il est, nous reprendrons la statuette. Prends tous les hommes que tu veux. Paie-les bien, je te ferai donner tout l'argent que tu me demanderas. Mais je te conseille de ne pas revenir ici sans lui. Je crois que je ferai comme toi, Baxo. Je me cacherai sous un casque. Oui, mais toi, tu auras deux choses à cacher. Ta figure et ton odeur. Écoutez, voilà deux cavaliers. Rien à craindre. Ce sont ces deux-là qui vous ont sauvé hier soir. C'est Croton et un ami de mon frère. Croton, je suis Kéros. Je veux te remercier. Restez en arrière ou je lui coupe la gorge. En arrière, tous. Sais-tu pourquoi je t'ai sauvé la vie hier? Non. Mais je serais tenté de dire pour me couper la gorge. Je le ferai si tu ne réponds pas à ma question. Qu'est-ce que Criton t'a dit avant de mourir, Kéros? Rien qui puisse te concerner. La nuit en question, il transportait un objet précieux. Tu sais très bien de quoi il s'agit. Mais je te conseille de me dire la cachette. Dis-moi ce que tu cherches, je pourrais peut-être t'aider, mais je t'en prie, sois plus explicite. Il s'agit d'une statuette représentant Athéna, la déesse de la guerre. Voilà qui est plus clair. Aussi, si tu m'ôtes cette dague de la gorge, je parlerai. Où est-elle? Elle est dans le temple d'Athéna avec les autres offrandes. Mais alors il est à craindre que Sarre ne s'en empare avant que nous puissions faire quelque chose. Demain c'est la fête d'Athéna et il se rendra au temple. Je veux bien prendre le risque d'y aller. Le temple est fermé jusqu'à demain. Personne n'y est admis. Il y a peut-être un moyen.
A-t-on trouvé? Pas encore. J'ai l'impression que vous n'êtes pas de Sparte, n'est-ce pas? Non, nous sommes des Mycènes. Nous sommes venus de si loin pour honorer votre déesse. Sartre tiendra à vous remercier personnellement. Oh, merci, mais notre humble présence est naturelle et nous ne méritons pas de recevoir un aussi grand honneur. Comme tu voudras. Cérémonie est terminée. Non, elle est sur le point de commencer. Marchandises à livrer. Va-t'en! Tu as déjà causé assez d'ennuis.
Vous tous, allez-vous-en. Allez-vous-en. Cachez-vous tous, voilà des soldats. Passe par-dessus, tu veux. Arrêtez le chariot. Salut à toi, mon brave homme. Pourquoi arrêtes-tu la course de l'éternel vagabond ? Je ne suis que Nemeth, un humble serviteur de l'art dramatique. Ainsi c'est toi, Nemeth. J'ai eu une fois le malheur d'entendre tes bouffonneries. Qu'est-ce à dire ? Quel sacrilège ! Ainsi, tu n'aimes pas les œuvres d'Eschyle ? Est-ce que le mot bouffonnerie peut s'appliquer aux tragédies de Sophocle ou à celles d'Euripide ? Oh ! Tout ce que je peux dire, c'est que c'est une tragédie de t'entendre les déclamer. Qu'y a-t-il dans ce chariot délabré ? Mes costumes. Voudrais-tu les voir ? Tu aurais plus de succès si tu jouais sans tes costumes. Écarte-toi ! Elle va nous attirer des ennuis. Chut. Tu sais, ça me plaît, les filles qui ont de la foule. Si j'étais pas obligé de courir toute la journée avec mes hommes à la recherche de ces maudits rebelles, j'aurais volontiers essayé de t'apprivoiser. Vous pourriez peut-être venir me voir la prochaine fois que nous jouerons. Rien à signaler ? Bon. Vous êtes libre de poursuivre votre voyage. Partons. Alors, au revoir. On se reverra à ton tour. Jusqu'à notre prochaine rencontre, je vous fais à tous mes adieux. Adieu aux gloires enivrantes. À tous nos cœurs si chers. Pour cette douce ivresse que tu as su donner à nos jeunes années. Adieu. C'est sûrement la dernière fois que... Adieu. Je vous salue, mes enfants. Rattrapons-les. Ils nous poursuivent. Fouette ton cheval, vite. Tiens, prends les rênes. Plus vite, mais encore plus vite. Ah, j'ai une Allez, les vivants!
Hâtons-nous! Il faut nous réfugier à Argos. Il n'y a que là que nous pourrons être en sécurité. Allez! J'aurais dû m'en douter. Il a certainement gagné Argos. Et il a la statuette. Trouve-le. Franchis la frontière, mais... Mais trouve-le. C'est ton ultime chance, Akron. Je te le jure. J'ai peur que nous ayons tout risqué pour rien. Nous avons la statuette sans même savoir ce qu'elle veut dire. Ça me paraît de l'or massif, non? Non. Mais il reste qu'à la vendre. Hé, hey, regarde! Ah, le misérable. Il nous aurait vendu aux barbares de Lydie. Si Sparte ouvre ses portes à l'armée lydienne, nous sommes esclaves pour la vie. Sarre serait maître de toute la Grèce. Et nous ne sommes pas en état de l'en empêcher. Il faut qu'Argos nous appuie à la vue de ce traité. Nous pourrons alors envahir Sparte et nous débarrasser de Sarre. Je t'approuve, Kéros. Le nom de Sarre suffit à me mettre hors de moi. Je le ferai griller. Non. Nous irons le mettre en accusation devant la Ligue Achéenne. Quoi? Il s'est offert à Sarre un temps précieux qu'il mettra à profit. À l'origine, nous avons fondé la Ligue Achéenne dans l'espoir de faire l'unité de la Grèce et de mettre fin aux guerres continuelles entre nos villes. Si Argos se battait maintenant contre Sarre, au sein même de la Ligue, les ennemis se croiraient permis de rompre le pacte. C'est ce qui se passera. Il faut que nous nous rendions à Athènes. Kéros, ton frère m'aurait approuvé. Je serais curieux que tu nous dises comment nous irons à Athènes. Sarre aura fait barrer toutes les routes. C'est évident. Je veux que vous sachiez quel bonheur fut le mien d'avoir été à même de vous venir en aide. Aujourd'hui, je dois reprendre, hélas, mon éternel vagabondage après un déchirant adieu. Non, ne sois pas si pressé, Nemeth. Je crois que j'ai trouvé la solution. Oui. Sanglotant. Maintenant, l'heure est venue pour toi de montrer ton courage et d'ouvrir ton cœur et de montrer ton orgueilleux dédain à l'homme qui ose rire d'un sang noble, d'affronter la querelle d'un père qui est plongé dans l'affliction par ceux qu'il aime. Oh, dis-moi ce qui t'arrête, mon fils. Eh ben oui, dis-le-moi. Pour affronter l'enfant de la haine, abreuve-toi aux sources de l'amour, mon fils. Abreuve-toi aux sources de l'amour. Aux sources de l'amour, mon fils. C'est une façon d'agir, mon amour. Tu ne sens pas mon parfum. Lydia, dire que je croyais que je ne te reverrais jamais. Mais c'est ma femme.
Et tu l'embrasses? Ah, alors dans ce cas, toutes mes excuses. J'aurais juré que c'était ma sœur. Vas-y, vas-y, montre les dents. Qu'on t'entende rugir. Tiens. Allons. C'est ça, rugis. C'est ça, vas-y, rugis. Je te dis de rugir. Le gagnant aura droit à une outre de vin. Alors donne ça que j'essaye. C'est une promesse. J'ai vous, voyons. C'est à moi. C'est mon outre. Bien. Grimpe, grimpe, Pépé. Merci, merci, merci. Dans ma coupe. Ah, merci. Merci beaucoup. Mange. Ulysse est mort, Pénélope. Oh, il est vivant. Salut. Arrière. Au secours, mon amour. J'ai entendu ton appel. Reconnais-moi. Quel beau coucher de soleil. Oh, tu m'as fait peur. Et dire que j'avais cru depuis quelque temps que je t'inspirais peut-être un sentiment différent. Mais ne dis rien. Écoute, écoute. Non, je t'en prie, laisse-moi, Kéros. Je ne suis qu'une fille du peuple et tu es un patricien. Il y a trop de choses qui nous séparent. Mais non, voyons. On existe. Succès. Par Zeus, quel succès! Nous jouerons maintenant pour les patriciens d'Athènes, de Thèbes, fleur de la civilisation. Je serai un homme riche. D'abord arrivé à Athènes. Nous n'en serons plus très loin dès que nous serons parvenus au port. Salut, douce mère, au royaume de Poséidon. À notre troupe, à nos succès mérités, à nos triomphes futurs, à notre heureuse fortune. C'est un piège, mais c'est tout. Yeah.
Appuyons-nous. Ça y est, on est parvenu à les repousser. Mais ce n'est que partie remise. Soyez tous vigilants. Ils attaqueront à nouveau d'une minute à l'autre. Les voilà. Ils reviennent. Attention, Jago, à toi. Allez, mets le feu. Tiens. C'est sans intérêt pour moi. Je suis d'un tout autre avis. Parce qu'un homme dans ma position doit savoir profiter de l'occasion qui se présente à lui. Une fois que Kéros aura gagné Athènes, Sarr sera perdu. Estimes-tu que je dois prendre le parti de Kéros? Est-ce vraiment ce que je dois comprendre? Il n'y a plus d'autre choix. Il est possible que Kéros soit le futur maître de Sparte. Essaie vite de le retrouver. Et tu auras enfin tout ce que tu veux. J'y réfléchirai. Puisses-tu te souvenir de celui qui t'a aidé lorsqu'il le fallait? Je sais que tout service se paie. N'es-tu pas venu tout de suite me voir à ton retour? Tu n'as rien à me dire? Réponds-moi! Dis-moi ce que faisait Aspasie chez toi! Accroche, je te parle!
Kéros, que les dieux soient remerciés, te voilà. Il faut que tu m'aides. Je suis devenue suspecte à Sparte. Sarah a fini par découvrir nos relations. Ne l'écoute pas. Elle nous livrera à Sar. C'est ce qu'elle a déjà fait pour moi. Tu connais Aspasie? Elle fut ma femme. La plus méprisable des créatures. Elle fera ton malheur. Oh non, c'est faux, Kéros. Tu sais que je t'aime, que j'ai toujours... Va-t'en! N'oublie pas que j'ai acheté ton silence. Nous trouverons un abri un peu plus loin. Nardok, as-tu vu Eléa? Elle ne doit pas être loin, elle est allée se faire belle pour toi. Eléa! Eléa! Tu ne l'as pas vue, Kéros? Eléa est partie. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Mais où est-ce qu'elle pourrait bien être allée? Regarde! Voilà son cheval. Aspasie. Cette femme est capable de n'importe quoi. Surprise de me voir, Aspasie? Surprise? Oui, mais très contente. Pourquoi l'as-tu enlevée? C'est pour te l'offrir. Kéros l'aime. Garde-la, et tu auras Kéros et la statuette. Ah, je vois. J'ai aussi un cadeau pour toi. Je pense que tu es en mesure de pouvoir l'apprécier. Prends-le. Non, non, tu fais erreur, ça. Ne me regarde pas comme cela. J'essayais seulement de t'aider. Je t'aime, ça. Crois-moi. Je t'aime. Je te le jure. Alors, pourquoi as-tu peur? Mais parce que j'avais cru que tu voulais... Que je voulais quoi? Te restituer ton poison? Prends. Cela t'appartient. Je t'en prie, non. Prends-le. Non! Non! Ah!
Bien, dépêchons-nous. Je te rendrai, Eléa, mais je veux la statuette, si tu acceptes de faire cet échange. J'exige que tu viennes seul. Décide-toi, Kéros. Décide-toi vite si tu veux la retrouver vivante. Nous aurons le moyen de la reprendre. À présent, éloignez-vous. J'attends ta réponse. Je suis prêt, Sar. Mais rends d'abord la liberté à Eléa. Tournage pas. Nous guettions ton retour, Sar. Quels sont tes ordres? Que tes hommes barrent toutes les routes venant d'Argos. Prends Kéros mort ou vif. Qu'il ne s'échappe surtout pas. Vous savez ce que vous avez à faire. Je lui prépare une chaleureuse réception à ton cher Kéros. Allez! Pénétrons dans le territoire de Sparte. Retournons sur nos pas. Nous prendrons un autre chemin. Non, attends. Nardoc, reviens! Tu es devenu fou!
dernière chance, il faut le gagner pour vivre libre. Pas faire ça. Avec ta permission. C'est de l'eau. Par le souterrain. Au souterrain. Lancez-vous à l'assaut de ce lâche tyran. Victoire, étend sur nous tes ailes. Tu l'as tué. Tu l'as tué, tu l'as tué. La dernière scène, Kéros. Eléa, il faut promettre de veiller sur elle, Kéros. Non, Ahmed, quitte ce ton tragique, parce que tous les deux, nous aurons encore bien des occasions de rire. Non, non, je ne crains pas la mort, tu sais. C'est ma grande scène. Je suis mort tant de fois dans ma vie. Écoute, je vois le portail d'Hadès. Toute ma force s'est enfuie. Je sens échapper la vie. Emporte-moi pour ce dernier voyage aux morts. Et c'est alors qu'on applaudit. Il n'aurait jamais dû arriver jusqu'à Sparte. Tu dois lancer tous tes hommes contre Kéros et ses compagnons. Vous êtes 10 fois supérieurs en nombre. Renonce à tout espoir. Ton Kéros ne pourra rien contre moi. Aussi longtemps que tu seras ma prisonnière. Que je meure ou que je vive, la liberté triomphera. Ça ! Ils ont libéré les gladiateurs. Ils arrivent. Thank you.
Tu n'as pas de mal? Non. Et bonne chance. Dès que nous aurons remis la statuette à Athènes, nous reviendrons, Kéros. Partez vite, alors. En route pour Athènes. Allons, mes amis. Salut à toi, Eléa. Gloire au nouveau chef de Sparte.